give me a kiss to build a dream on. In my imagination, we'll thrive upon that kiss. Oh, sweetheart, I ask no more than this. A kiss to build a dream on. Give me. Alors, ah oui, on était allé chez Mama. Elle nous avait demandé de faire des trucs. Genre le Pit Boy. Le Pit Boy, il va nous dire ce qu'il y a à faire. À la fosse. Donc, retrouver Fred et récupérer son argent. Apporter un repas à Smithy, oui. Et procurer une pièce détachée, d'accord. Bon, pour l'instant, ça va. Ah oui, il faut que je passe voir les esclavagistes. Parce qu'il y a Vic le marchand, il paraît qu'il est enfermé dedans. C'est ici? Tu veux voir le patron? Vas-y, entre. Ok. Je suis avec mon couteau, c'est vrai, j'ai plus ma lance. Oh là là. Hop là. Hey, salut, bienvenue à la guilde des esclavagistes. J'ai failli dire à la confrérie de l'acier, quoi. Non, non, la guilde des esclavagistes. Je m'appelle Aidan. Tu es là pour affaire, t'as intérêt. Que faites-vous au juste dans cette guilde? La guilde des esclavagistes? Tu rigoles ou quoi? On capture et on vend des esclaves ici. C'est pour ça qu'on est là. Tu cherches un peu d'action? Ah, on peut devenir membre. Ah oui, non. Alors, ouais, on va parler d'abord de Vic, hein. Ah, on peut acheter des esclaves, ouais, ok. Et l'abri 13. Alors, ouais, où est-ce que tu trouves les esclaves? Ah, je regrette, je peux pas t'en parler. Hein. Metzger me ferait pendre. On veut pas de concurrence. Mm-hmm. Réponds-moi, sinon je fais un trou dans ta petite tête. Ah oui, d'accord. Je vois. Une autre question. Tu connais un gars qui s'appelle Vic? Ouais, Vic, le marchand, hein. Celui qui vend des vieux trucs de l'abri. Metzger en a ras-le-bol de lui. Ah, il est à vendre? Ah, je ne sais pas. Il a foutu Metzger en rogne à cause d'une radio. Je ne sais pas s'il voudra le vendre. Il faut que tu lui en parles personnellement. D'accord, qui c'est Metzger? Bah, incroyable, tu ne connais pas Metzger. Mais que fais-tu en ville si c'est pas pour le voir? C'est le chef de la guilde des esclavagistes. Ah, d'accord. Et alors, est-ce que tu as déjà entendu parler de l'abri 13? Non, mais je verrai avec le patron. Il a pas mal bourlingué et il est allé partout. D'accord, d'accord, bah je vais aller le voir. Hein. Alors je vais faire une petite sauvegarde, mais je vais peut-être faire une bêtise. Hein. Attention. Attention, sauvegarde, puis bêtise. On est dans Fallout 2. J'ai envie d'aller voir... un esclave, hein. Je vois qu'il y a un esclave. On peut toucher la porte? Eh bah les pattes! Ah oui d'accord, on peut pas toucher la porte. Ok. Sulik. Non mais Sulik, barre-toi. T'es un esclave, t'es un tribal, tu vas te faire... Je comprends rien. Bon allez, on va aller le voir. J'imagine que c'est lui. Tu vois un homme à l'air méchant. Oui, ils sont nombreux hein. Hey, que veux-tu? Ils ont tous la même voix dans la guilde des esclavagistes. Ici, c'est la guilde des esclavagistes, pas un refuge pour les allumer au jet dans ton genre. Mais c'est pas du jet, c'est une cigarette électronique. Alors, Vic. Alors, oui, on peut adhérer à la guilde des esclavagistes. Ouais. Alors, Vic. Ah, il est spécialisé dans la technologie de l'abri. C'est ce qu'il dit. Il est à moi maintenant, et il ne sort pas d'ici. Ah, puis-je le voir? Ah oui, tiens. Pourquoi faire? Ah merde, peu importe. Ne l'empêche pas de réparer cette foutue radio. Le plus tôt sera le mieux. Je commence à en avoir ma claque d'entretenir cette grosse feignasse. Et pourquoi le garde-tu enfermé ici? Ce petit tas de merde m'a vendu une radio. Il m'a promis qu'elle capterait quelques transmissions. Ça n'a jamais marché. Il a essayé de se faire la malle. Je l'ai rattrapé à temps. Oh bah putain. Grosse erreur, il ne faut pas me prendre pour un con. Ouais, il a de la chance d'être en vie. Mais de quel genre de transmission veux-tu parler?
L'esclave et New... Eh, hey, mais qu'est-ce que ça peut te foutre? Ah non, l'enclave. L'enclave et New... Mais il n'y a pas 36 villes dans la région qui commence par New. C'est New Reno. Qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est un secret professionnel. Je vais être sûr que personne n'essaie de me doubler. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. Ok, bah oui, 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 d'accord. Alors, il m'a dit oui. Je peux aller le voir. C'est Vic, hein. Hey, comment ça va? Bien, merci. non, à propos de Vic. Ah ouais, lui, le marchand, je crois qu'il a cassé quelque chose, mais je sais pas trop pourquoi, tu le connais? La porte est verrouillée, est-ce que tu peux l'ouvrir? Oh, c'est bien ça. Ah bien sûr, je ne savais pas que tu voulais lui parler tout de suite, j'ai cru que tu te renseignais, c'est tout. Bah pas de problème. Ah bah voilà, il a ouvert. Coucou. Hey, salut Vic. Pourrais-tu lui dire que je ne peux pas attendre... Qui es-tu? Tu n'es pas un esclavagiste? Que fais-tu ici? Je suis Artichaut, je suis là pour t'aider à sortir d'ici. Ah non, mais d'abord, pourquoi ils t'ont enfermé dans cette cellule? Ah, c'est une longue histoire, hein. Disons que Metzger me garde ici jusqu'à ce que j'ai réparé cette foutue radio. Ah, la galène est foutue, et je n'ai pas de pièce de rechange. Comment veut-il que j'arrive à la réparer? Alors, peux-tu me dire où se trouve l'abri 13? Ah ouais, je peux peut-être t'aider, mais d'abord, tu dois m'aider à sortir d'ici. Mon le coquin. Bah, comment va-t-on faire? Ah, il faut que je répare cette radio. Avec ton aide, on pourra peut-être le raisonner. Où puis-je trouver des pièces de rechange? Je peux le faire, mais il me faut des pièces de rechange. D'accord, Vic. Je pourrais les prendre sur une vieille radio que j'ai dans ma cabane à Klamath. Tu vois le magasin des Dunton? Ouais. Bah, ma cabane, elle se trouve à l'est de chez eux. Ah, mais je l'ai, la radio. Bah, je crois. Je vais aller la chercher, bouge pas. Ah, bah, merci. On vérifie. Là. C'est quoi ça? C'est la radio de Vic. Voilà, une radio portative qui ne marche plus, mais qui est en assez bon état, encore. Il serait sans doute possible d'en récupérer les pièces détachées pour réparer d'autres radios. Ah, yes! Alors, tiens, peux-tu utiliser cette radio que j'ai trouvée? Oh salut, encore toi, cette foutue radio ne va pas se réparer toute seule. Oui d'accord, tiens, voilà la radio. Oh super, je vais réparer cette radio en un rien de temps. D'accord, je vais aller parler à Metzger, moi. Voilà, la radio, c'est bon. On peut le libérer. Oh, tu commences à me gonfler, qu'est-ce que tu veux? Il commence à... Ah oui. Alors, à propos de Vic. Alors, où lui? Alors, pourquoi le gardes-tu enfermé ici? Ah oui, c'est vrai que finalement, bon, il a réussi à faire marcher cette sacrée radio. Mais ça veut pas dire que je le laisserai partir si facilement. Peut-être qu'un peu d'argent aidera à clarifier la situation. Et bien sûr, ça te coûtera 1000 dollars. Mais je suis à un tiers. Au secours. Ouais. Bon, ben... Ok, il y a d'autres questions à poser? Accouche. Ah, je peux te vendre des trucs. Oh, et... Qui ça pourrait bien être? J'espère que tu n'as pas dans l'idée de revoir cette personne. Ah oui, je peux vendre Sulik. Ah non, mais non, mais... Non, mais j'ai changé d'avis. Je voulais juste vendre du matériel, moi. Je voulais pas vendre Sulik. Sulik, fais pas la gueule, hein. Nous aider. Ah bah, ils sont tous les esclaves. Bon. Au moins, les esclavagistes, on les a vus. Donc, ils demandent 1000 dollars. Classique. Alors ici, on a cette vieille église. Là ça va être important, il y a plein d'XP à se faire avec la vieille église. Je vais d'abord aller remettre le repas à Smithy, ça sera fait. Et juste après, je m'occupe de l'église. Tout bien, c'est juste à côté. Ouais, il va falloir aller dans le bâtiment là. Voilà. Ah, le Smithy et sa voiture. Tiens.
Smithy les bons tuyaux, à votre service. Alors, tiens, je t'ai apporté un repas de chez la mamma. Ah mais c'est vraiment super sympa de ta part, merci mucho. Voilà, un petit quelque chose pour le dérangement, ça te rendra service par ici. Il te tend un steam pack. Ouh. Et je gagne en plus 150 points d'expérience et 10 points de karma. Pas de problème. À ton service. Il me faudrait une armure. Hein. Feuille de personnage. Alors. On est à 35 points de vie. Ouais, ouais. Ah, je suis à poil. Hein. Allez. On y va. C'est vrai qu'ici de nuit, il y a un fantôme à gérer là. Qui est juste à côté là, de la momie là dans son cercueil là. La goule dans son sarcophage. Alors, petite sauvegarde. Voilà, on va sauvegarder à la fosse. Bien sûr. Bien sûr. Et on est parti. Tu dois être ici pour voir Lara. Tu devrais t'adresser à Lara. D'accord. Un espèce de gangster. Tu vois Lara. Ah ah. Et ici c'est qui? Tu vois un junkie, d'accord. Salut Lara. Je m'appelle Lara et je suis à la tête de ce gang. Tu viens nous chercher des noises? Gare à toi. T'aurais pas du travail? Ça dépend de ce que tu sais faire. Quelque chose m'intrigue. Si tu peux découvrir ce qui m'intéresse, je te paierai. Bien sûr, qu'est-ce que c'est? Ah ah, on va se faire des sous. Avec Lara et son gang. Il y a une église à l'est. Ah, Metzger a posté ses hommes à l'extérieur pour garder je ne sais pas quoi. Si tu trouves ce qu'il cache, je te paye 200$. Ah bah oui, oui, oui. Mais pas de problème. Merci, ne te bats pas encore, j'ai un plan. Pas de problème. Il va y avoir baston, mais un peu plus tard. Bon, allons voir. Ouais, c'est bon, celui qui me suit, j'ai eu un doute. Alors ici, on va se faire de l'expérience et des sous, j'espère. Je me poste là. Et on fait une petite sauvegarde. Hop. Parce que là, va y avoir du dialogue. On est à la fosse, voilà. Très bien. Bonjour messieurs. Alors Tyler et un garde. On va parler au garde. Quoi de neuf? Va voir Tyler si tu veux quelque chose. Ok. Mais qui es-tu et que veux-tu? C'est Metzger qui m'envoie. Alors là, c'est le gros baratin. Mais pourquoi faire? Ces affaires ne bougent pas d'ici. Alors, il voudrait que je vérifie à sa place. On peut rentrer? Oh, tu baratines et tu gagnes 500 XP. Yes, du premier coup. Eh merde, vas-y. Il croit peut-être que ça va s'envoler comme ça. De toute façon, je vois pas qu'il voudrait de cette merde. Ah, bah très bien, bah super. Bon, bah je rentre, hein. Bah y'a du monde hein. Ouh, y'a garde. 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 Je peux observer. Rien d'habituel, d'accord. Ouais, et là. Bon, je check. Hein. Allez, Tu vois des caisses remplies de produits chimiques qui ne te sont d'aucune aide, tu reçois encore 500 points d'XP. Alors là, je viens de faire deux fois 500 points. Là. Je suis à 8000 sur 10000. Ah ouais, ça monte vite. Hein. Oh là là, moi les 200$ facile. Hein. Alors par contre, où est-ce qu'il est ce Fred? C'est toi Fred? Non. Mm-hmm.
Ah, attends, c'est qui lui? Je cherche Fred dans les junkies. Un citoyen de la fosse. Ah, je le tiens peut-être. Petite sauvegarde. Eh, hey, Tribal, ne t'approche pas de Metzger. Je peux lui faire les poches? 20%. Non, c'est pas lui, il a pas de sous. Et ouais. T'en prends, toi? Non. Et là... Et ben, un junkie planqué? Non. Ok. Bon, bah, retournons voir Lara. Alors sur le pit boy, normalement, ça m'indique le moment, l'heure. Donc là, midi 58. Ok. Je vais aller fouiller quand même chez Lara. Discrètement. Eh oui. Ça me fera énormément plus. C'est cool. Si je lis... Non, je vais pas lire de suite. Ça va me prendre du temps. Aller voir Lara. Ouais. Yo Lara. Alors, tu as trouvé ce qu'il y a à l'intérieur? Facile. Des comptes de gros conteneurs remplis de produits chimiques. C'est clair. Merci, voilà ton argent. Bim, pas de problème. Tu as gagné de l'argent sans te fatiguer, hein. Disons encore 50$. Très facile. Oh bah après les 200, oui. Je veux que tu ailles voir si Metzger serait d'accord, si Tyler et moi ont réglé un vieux problème. Il comprendra ce que je veux dire. Bon ben... Pourquoi? Pourquoi veux-tu que je demande? Je ne veux pas que Tyler voie mes hommes entrer ou sortir de chez Metzger. Je ne peux pas dévoiler notre jeu. 50$, d'accord. Mais là, on est potes, je veux dire... si je sauvegarde là, on est potes. Et que je fouille ensuite dans tes affaires, on est potes. C'est Fallout 2, quoi. Ouais. Disons rien. Hein. Mais en même temps, c'est vide. Ok. Bon bah, let's go. Hein. Faut aller voir un Metzger cette fois. Il est 13h dans le jeu. Ouais, j'aurais peut-être le temps de lire le bouquin quand même. Hein. Je vais voir. Si je sauvegarde là. Là, je sauvegarde, il est 13h. J'utilise le bouquin dans l'inventaire. Combien de temps passe? Donc, j'ai amélioré ma compétence. Ouais, d'accord. Ah, ouais, là, 19h. 13h-19h, il y a eu 6 heures de passé. Par contre, normalement, ma compétence est montée de 5%. D'accord. Allons-y. On va tenter le baratin. Ah oui, il va me parler des thunes, peut-être. Hein. Encore une petite sauvegarde. Hein. Allez. Ça avait l'air moins pressé, là. Ok. Ah, tu commences à me gonfler. Qu'est-ce que tu veux? Ta Metzger est un petit peu sur les nerfs, hein. Lara voudrait que je te demande la permission de se battre avec Tyler. Je crois que c'est ça, hein. Mais qu'est-ce qui lui a pris tout à coup? J'ai donné sa chance à cette traînée il y a quelque temps. Je ne pensais pas qu'elle aurait le courage de le faire. Oula.
De quoi parles-tu? Non, alors c'est bon. Je vais pas chercher plus sans savoir, hein. Bon, j'avais dit que la proposition tenait toujours si elle pense qu'elle peut le battre et qu'elle est capable de garder ma Camelot. Alors c'est oui? Écoute, je m'en tape de savoir qui monte la garde. Tant qu'aucune de mes marchandises n'est endommagée, je m'en tamponne. D'accord, merci. Tu reçois de 500 points... Non, 200 points d'XP en plus. J'ai obtenu la permission pour le gang de Lara d'attaquer celui de Tyler. Ok. Facile, pas cher. Est-ce que j'ai des trucs à vendre? Ouais, j'ai quelques trucs à vendre. Rentrons sans nous arrêter devant les enfants, voilà. Je suis allé fouiller par là? Je crois, hein. Ok. Hey, ça coûte plus cher si tu as de la compagnie. Oui, non, non, mais de quoi tu me parles? Laisse-moi tranquille, je vais draguer les jolies petites. Ok. Ils sont chelous ici, hein. Salut, toi. Oui, que te faut-il? Du whisky, des femmes, des renseignements. Du troc. Ouh! Combien tu le vends, ton pistolet? 10 mm. Oh, mais tu le... Il est plus cher que... deux flingues et un... Je peux acheter Vic, arrête, hein. Non, non, c'est bon. Il a pas de thunes, je peux pas faire d'affaires avec lui. Tant pis. Ça sert à rien, lui, hein. Alors là, on a Sulik. Ah, est-ce qu'il fait nuit, là? 19h, non, il fait pas encore nuit. Rien. Alors, dans mon inventaire... qu'est-ce que j'ai de bien dans mon inventaire? Une pince. J'ai un moteur, quoi. Bon. Un moteur de caisse. Et d'ailleurs, ça me fait combien en poids, là, toute cette histoire, hein? 48 sur 200. Ok. Bon, bah, je suis qu'au couteau, hein. Alors, tu lui as parlé? Qu'a-t-il dit? Il a dit oui, si tu gagnes, tu peux avoir leur boulot, comme avant. Génial! C'est ce que j'attendais! Je sais qu'ils n'étaient pas très contents d'eux, dernièrement. Voilà ton argent. Ah, je suppose qu'il y a autre chose, maintenant. On peut pas se mesurer à eux, ils sont trop forts. Ils ont des réserves et ils sont un peu plus nombreux que nous. Si tu pouvais trouver leurs points faibles, ça équilibrerait les chances de réussite. Combien? Je te donnerai 150 dollars de plus. Ah ouais. On ne pourra jamais s'approcher assez pour découvrir ça nous-mêmes. Donc 150 dollars de plus, ça ferait que je monterais à 720. Ouais, ouais. D'accord. On y retourne. Là encore, il va falloir que je fasse une petite sauvegarde. Cela, ça va être chaud pour le discours. Hop. Il va falloir baratiner Tyler.